toi, on se retrouve dans un nouveau type de vidéo qui va sûrement ressembler à des vlogs. Je vais les axer sur ce que je fais en gros pendant la journée pour étudier l'Ayurveda, la médecine et tous les autres sujets que j'étudie. Parce que c'est le type de vidéo que j'aime bien regarder. Et vu que beaucoup me demandent comment je me forme, comment j'apprends l'Ayurveda, où est-ce que j'ai appris. Déjà, je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler de mon parcours. Avec plus de détails, comment je suis passée de la fac de médecine à l'Ayurveda et comment je continue à étudier sans être à l'école. Et aussi dans ce genre de vidéo, ce sera de manière plus simple. Là, je vais filmer avec mon téléphone pour que ce soit plus rapide et plus spontané, entre guillemets. Voilà, j'espère que ce format va vous plaire. Donc au programme aujourd'hui, ça va être donc l'étude des tissus du corps. Donc là plutôt dans le côté physiologie médecine moderne entre guillemets puisque je suis un cours sur l'histologie qui est l'étude de comment les cellules s'agencent entre elles pour former un tissu qui ensuite va former un organe. Et donc je suis ce cours depuis plusieurs semaines maintenant et je connais la plupart des choses qui sont dedans puisque ça reprend mes cours de médecine, mais c'est vrai que ça me fait un rappel et d'une manière différente de la manière dont j'ai appris moi. Parce que là, par exemple, j'ai accès à un logiciel où je peux avoir des coupes histologiques, donc je peux voir les cellules moi-même, les jouer avec et tout ça pour regarder de manière plus précise, qui est un peu comme un microscope virtuel. Et c'est quelque chose que je pourrais vous conseiller quand vous voulez apprendre des choses. Une des meilleures manières pour moi, en tout cas que j'ai trouvé qui était fonctionnelle pour moi, c'était de coupler les sources d'informations. Et d'essayer de toujours trouver des formes différentes. Donc que ce soit par les livres, par la vidéo, par des interactions qu'on a avec d'autres personnes, par les cours qu'on a en présentiel avec des professionnels. Et donc c'est pour ça que j'essaye toujours de trouver plein de manières différentes d'étudier, même si c'est la même chose entre guillemets, j'apprends toujours des nouvelles choses. Voilà. Donc là par exemple, on me demande ici de décrire les structures. Donc ça va être quel type de cellules, quel type de glandes on a à faire, pourquoi à tel endroit c'est plus sombre qu'à d'autres. Donc je peux grossir et dégrossir comme vous avez pu le voir. Donc vous voyez que ça par exemple, cette structure la rose, est différente que les structures un peu plus violettes. Donc ça ne va pas représenter la même chose. Et ici on est dans une glande salivaire qui fait... que c'est pour produire principalement du mucus, mais pas que. On sait qu'il va y avoir des glandes qui vont produire soit du mucus, soit des protéines. Et la glande salivaire, c'est un exemple d'une glande mixte qui va produire les deux. Et donc le but, ça va être de le montrer là sur la coupe histologique. Donc est-ce que je vais trouver un exemple? Donc là, on voit que les cellules qui sont très claires ici, autour du 3 là, ça va produire du mucus. C'est pour ça qu'on va les différencier de différentes manières, la taille du noyau notamment, les petites structures violettes qui sont là, c'est des noyaux de cellules. Et vu qu'ils sont repoussés à la périphérie comme ça, on sait que c'est des cellules qui produisent du mucus. A l'inverse, donc les cellules qui sont ici, on voit qu'elles sont beaucoup plus foncées, que leur cytoplasme paraît, donc le cytoplasme c'est tout ce qu'il y a dans la cellule qui n'est pas le noyau, donc tout ce qu'il y a autour ici, est beaucoup plus foncé parce qu'il produit des protéines. Ce qui fait qu'on voit que donc cette glande elle est mixte, vu qu'il y a du mucus et des protéines qui sont dans le même tissu. Et donc en général, chaque session, donc chaque chapitre qu'on peut voir ici, va se terminer par un quiz. Et donc là, c'est donc le quiz sur les glandes acineuses, comme je vous avais dit. On dit acineuses parce qu'en fait, c'est le nom des petits regroupements de cellules qui sont là, qu'on appelle un acinus ou des acinies. Donc c'est juste un nom structurel qui définit la structure de la glande. Et donc à chaque fois, j'ai des questions. Donc c'est sous forme de QCM en gros, et je dois vérifier si c'est les bonnes réponses. Donc là, on me demande... Cette image illustre des acinies séreux et des travées conjonctives divisant l'organe en lobules, des acinies séreux et un gros vaisseau sanguin, des sections passant uniquement par le centre des acinies et un canal intercalaire, diverses incidences de coupe dans des acinies séreux et un canal intercalaire. Aucune des propositions, toutes les propositions.
Donc ça vous paraît peut-être, si vous ne connaissez pas un peu le vocabulaire histologique, c'est du charabia, ce que je peux totalement comprendre. Sachant que c'est bien des cellules séreuses, donc comme je vous avais expliqué tout à l'heure, ce que c'est pas muqueux. Muqueux, c'est des cellules beaucoup plus claires que ça, et le noyau est à la périphérie écrasé. Et là, donc, c'est des cellules séreuses, c'est sûr. Pas de vaisseau sanguin à mon sens. Je suis toujours dans l'histologie puisque c'était un peu plus long que prévu, ce qui fait que je n'ai pas fini. Il me reste encore l'activité certificative avec pas mal de questions à répondre pour voir si j'ai bien intégré toutes les notions. Et un petit cours sur la physiopathologie, donc si jamais les glandes fonctionnent pas bien, qu'est-ce qui se passe? En gros, c'est ça qui me reste, mais là, ça fait plus de 2 heures que je suis dessus et j'en peux plus de regarder des cellules sur un écran parce que mes yeux ne peuvent plus. Donc, je vais faire une petite pause, je vais aller me préparer un jus, probablement avec du céleri, de l'orange, du citron s'il m'en reste, et un peu de curcuma probablement. Et de la carotte, parce qu'il faut toujours de la carotte dans un jus. Non, c'est pas vrai, mais j'aime beaucoup la carotte dans les jus. Et sinon, en revenant, soit je finirai ça tout de suite et ensuite on en aura fini, soit je ferai une autre activité et je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans la journée. Voilà. C'est donc équipée de mon jus que je vais terminer finalement l'histologie maintenant, comme ça ce sera fini. Parce que bon, j'aime beaucoup ce chapitre, mais bon, ça fait plusieurs jours que je suis dessus, donc il serait temps. Et donc, je vais finir l'épreuve certifiante et ensuite je passerai à la suite. J'ai terminé mon jus et j'ai enfin terminé l'histologie. Donc, je vais me lancer dans Ojas, qui est la réserve d'énergie selon l'Ayurveda. En fait, selon l'Ayurveda, il y a 7 tissus qui composent le corps humain. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo dans ces 7 tissus, mais en gros, vous allez avoir la lymphe, le sang, les muscles, les os, les tissus graisseux, le tissu reproducteur, et avant, on avait donc la moelle osseuse. Et après, tous ces tissus, on considère que quand on aura nourri tous ces tissus avec l'alimentation, ce qui va rester, ça va nourrir Ojas, qui est la réserve d'immunité. C'est un peu comme ouais, si vous aviez. On le compare beaucoup à un liquide de couleur d'or et qui permet à la personne de se régénérer, d'avoir une bonne santé en général et de cicatriser bien. Et donc, si tous les tissus en amont sont bien nourris, et qu'il reste de l'alimentation ou de l'alimentation des nutriments dans le corps, c'est vers l'immunité que ça va se diriger. Et donc là, je vais me concentrer là-dessus. Et donc ce que je fais, c'est que j'ai acheté tout un pack de cours en ligne fait par un médecin indien qui du coup m'a envoyé tous les cours d'un coup. Donc j'ai tous les PDF, toutes les vidéos. J'écoute pas vraiment les vidéos la plupart du temps parce qu'ils se contentent souvent de lire les PDF qui sont souvent très bien faits. Donc je me contente de ces diapositives. Et ça complète en fait ce que moi j'ai appris ou ça le reprend d'une autre manière. Toujours pour les mêmes raisons comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est revoir les choses plusieurs fois avec des points de vue différents. Et donc ça se présente comme ça. J'ai tous les cours là dans un dossier en format PDF. Et moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une liste de tous les cours et je coche ceux que j'ai déjà faits parce qu'il y en a, il y en a un bon paquet. Combien il y en a? 177 et encore j'ai pas les derniers. Donc il y en a à peu près 200 maintenant. Donc ce que je fais c'est que je les ai tous mis dans un dossier et là par exemple Ojas que je veux étudier c'est le numéro 37, il est là. Voilà donc ce que je fais c'est que j'affiche le cours à gauche. Voilà et c'est le cours numéro 37. Et voilà. Donc parfois je prends beaucoup de notes, parfois je prends tout en notes et parfois je ne fais que lire le diaporama en fonction de si j'apprends des nouvelles choses par rapport à ce que j'ai déjà appris et si ça me paraît intéressant de rajouter des choses. Sinon je me contente de lire le PDF. Donc voilà ce que je vais faire.
Du coup, je suis toujours dans mon cours sur OJAS et j'ai lu quelque chose d'assez intéressant que je connaissais mais que j'avais pas vu de cette manière-là, qui est que l'Ayurveda considère que qu'on ait un excès de gras ou qu'on ait un excès de muscles, dans tous les cas, c'est négatif pour la santé. Ce qui fait qu'on utilise notamment l'IMC en Ayurveda, donc dans moi ce que j'ai appris à mon école. Parce que même un excès de muscles est délétère pour la santé générale. Et ça s'explique par le fait que quand on fait aucune activité physique, le tissu qui va être le plus nourri, entre guillemets, ça va être le tissu graisseux. Et en fait, il y a un ordre dans les tissus comme ça que je vous avais expliqué juste avant. Et du coup, si le tissu graisseux est trop nourri, il va bloquer cette nutrition juste pour lui et il ne va pas donner aux tissus suivants qui sont les os. La moelle osseuse et le tissu reproducteur, et ensuite l'immunité. Ce qui fait que les personnes qui seront en surpoids, voire en obésité, vont garder tous les nutriments pour le tissu graisseux et vont par exemple avoir des faiblesses au niveau osseuse, donc de l'ostéoporose par exemple, ou des pertes de règles. Où on se dit, bah, c'est bizarre, pourtant il y a tellement de nutrition dans le corps, les règles ne devraient pas disparaître. Et en fait, c'est que le tissu graisseux garde tous les nutriments pour lui. Et quand il y a un excès de masse musculaire par un excès d'activité physique, par exemple de musculation, c'est la même chose qui se passe, mais au niveau du muscle. Donc le muscle va garder toute cette énergie, puisqu'on lui demande tellement d'efforts qu'il va devoir tout garder pour lui, ce qui fait que tous les tissus ensuite vont être sous-nourris. Donc ça, c'est une question d'équilibre. Hein. Pas d'exercice du tout, ça fait qu'on ne nourrit pas le muscle et on ne permet pas à la nutrition de passer à tous les tissus du corps. Mais si on le fait trop, le muscle va tout garder pour lui, ce qui fait qu'on a aussi des personnes qui font beaucoup de musculation, beaucoup de sport à un niveau intensif et qui, notamment chez les femmes, n'ont plus leurs règles ou ont des problèmes d'infertilité ou des problèmes osseux. Donc ça, c'est vraiment relié, c'est un peu le même mécanisme. C'est dû au fait que le tissu qu'on va travailler le plus ou qu'on va laisser s'accumuler comme la graisse va garder toute la nourriture et ne pas la diffuser au tissu ensuite. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Je trouvais que c'était une vision intéressante pour comprendre pourquoi la quantité qu'on mange ne suffit pas, c'est aussi ce qu'on fait à côté, et notamment le fait de faire de l'exercice physique et ni trop ni trop peu. Terminé au jazz, il est 4h45 ici. Du coup, il me reste 20 petites minutes parce que, vu qu'ici on mange très tôt, je vais commencer à préparer le repas vers 17h15 probablement, histoire qu'il soit prêt à 18h30, voire même avant, mais je vais faire d'autres choses entre temps donc je vais préparer le repas vers cette heure-là. Et en attendant, je vais marcher un petit peu. Et en retour, je vais écrire, je vais retaper en fait un texte que j'étudie en ce moment, qui est de Hermès Trismégiste. Voilà, je vais pas rentrer en détail sur qui est Hermès Trismégiste dans cette vidéo parce que j'en serais bien incapable puisque c'est un sujet extrêmement vaste. Mais pour faire très simple, c'est un hermétiste. Et même la base de l'hermétisme, puisque Hermès, hermétisme. Et donc je vais étudier ce texte qui est une conversation entre Isis et son fils Horus sur les origines de l'homme, les origines de la terre. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on y parle des éléments, on y parle de l'âme, du corps. Et du coup, je recoupe vraiment beaucoup toutes ces informations avec l'Ayurveda et ce que j'apprends. Donc je vais faire ça. Je les retape parce que ça me permet de les apprendre tout simplement. J'aime bien quand je lis un texte l'écrire moi-même. Comme ça, je suis sûre que je les ai tous au même endroit. Je vous expliquerai probablement dans une prochaine vidéo comment je m'organise en termes de où est-ce que je mets mes cours, comment je les rassemble, comment je m'y retrouve. Parce que je teste beaucoup de choses différentes vu le nombre de différentes choses que j'étudie. Mais en gros, voilà ce que je vais faire dans la dernière demi-heure. Et ensuite, je vais donc faire à manger et je vais sûrement aller faire un petit tour dehors parce que le temps est magnifique et qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps. Donc, je vais aller célébrer ça en faisant une petite marche et peut-être méditer un peu à l'extérieur et je vous emmènerai avec moi probablement. On verra. À tout à l'heure.
bien sûr, au moment où je prends enfin une pause, le soleil se cache. Mais bon, c'est ma faute, j'ai un petit peu trop attendu. Il est près de 18h, donc là je vais juste marcher un petit peu, il fait super bon. Je pense qu'il doit faire dans les 20 degrés, parce que je suis en t-shirt dehors. Il y a beaucoup de vent par contre, je ne sais pas si vous allez pouvoir m'entendre. Là ça s'est un peu calmé, mais sinon il y a pas mal de vent. Et voilà, je vais juste me promener un peu, profiter un peu de l'air frais, parce que je suis restée enfermée toute la journée. Et ensuite je vais rentrer, me doucher et manger. Et ça sera une bonne journée de fête. Je pense que je vais clore le vlog ici, donc si jamais c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est le premier que je fais sur cette chaîne, donc je sais pas du tout comment ça va rendre. Et si jamais vous avez d'autres idées de vidéos ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur l'Ayurveda ou autre, dans des prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire aussi parce que ça m'inspire à faire de nouvelles vidéos et autant que je réponde à vos besoins à vous. Voilà. Passez une très bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.